Voilà, ce soir, on parle tresse africaine avec Fulgencia Rotondi et son invité. Avant de la recevoir, je vous invite à suivre ceci. On m'appelle Marcus Marlène. On veut réaliser une tresse et une pointure. Comme matériel, on veut utiliser les faux mèches, appelées et les fils, laine quoi. Je suis en train de diviser les cheveux en deux parties. Parce que je veux faire les boucles pointues, je veux diviser en 6. Je veux commencer par diviser en 2 d'abord, avant de diviser en 3-3. Pour commencer, j'essaie de prendre les faux mèches pour compléter aux cheveux pour pouvoir donner les boucles pointues. C'est au fur et à mesure que j'ajoute les mèches, pour que ça soit un peu grand. En attendant, je ne continue pas vers le bas pour pouvoir compléter les mèches après. La prochaine étape, c'est de continuer ce que j'ai laissé pour les bords et après d'arranger les devantures des cheveux. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc là le reportage, le sujet de Fulgencia Rotondi sur les tresses africaines. On retourne au plateau avec Fulgencia Rotondi et son invité. Fulgencia Rotondi, bonsoir. Bonsoir Agnette. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Agnette. Dans notre salon de beauté à nous sur le Grand Ah Rendez-vous. Ah oui, vous avez dit. Et puis aujourd'hui, on reçoit une coiffeuse puisqu'il s'agit des tresses africaines. Elle répond au nom de Sharon Nadia Lassissi. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des tresses, mais des tresses tendances. Alors, quelles sont les tresses africaines en vogue actuellement? Ok, actuellement, nous avons les tresses. Nous avons les tresses à 3 branches, comme il m'a appelé Afefe. Nous avons les tresses à 2 branches. Nous avons aussi les twists qui se font à base des cheveux crépus et aussi à base des mèches crépus. Bien sûr, je pense que... C'est ce que nous avons comme... D'accord. Mais il faut dire que les tresses qu'on avait entre-temps, les attis qu'on avait là, sont revenus aujourd'hui de plus en plus. C'est vrai, on utilise des outils qui ne sont pas... Ce n'étaient pas les fils. Aujourd'hui, on utilise les faux mèches, comme vous l'aviez dit et tout. Il y a quand même d'évolution. Oui, oui, parfaitement. Ça se fait souvent avec les, à base des cheveux crépus. Les attis d'alors sont aujourd'hui appelés les locks, les faux locks. D'accord. Okay. Aujourd'hui, c'est les faux locks. Ce que nous faisons, c'est faux parce qu'on a eu à ajouter ces faux mèches-là. Ou c'est vrai quand ça se fait avec les cheveux réels. Alors, de nos jours, nous le faisons avec les faux mèches. Nous ajoutons ces fils-là pour le faire, ces gens atteints. Mais on le fait avec beaucoup plus de modèles, beaucoup, beaucoup... On vous essayez d'innover. Voilà, au fait.
Oui, mais si vous permettez, Fugès et Rodrigue, ce ne sont pas les seules tendances. Je crois qu'il y a le docor aussi qui revient. Je vois beaucoup personnes d'un certain âge faire le docor aujourd'hui. Il y a le docor qui se fait de nos jours et aussi avec les mèches. Oui. Il y a des mèches appropriées à ça. Pour faire le docor. Pour faire le docor, nous le faisons même en deux temps. D'accord. Nous le faisons en deux temps, c'est-à-dire peut-être du noir en bas et une couleur or ou rougeâtre en haut. D'accord. Ça se fait aujourd'hui, c'est même très joli. Et lui à côté aussi, on voit qu'ils font aussi lui à côté aujourd'hui à Edenèche. Oui, il y a lui à côté aussi. J'espère juste que notre réalisateur va nous aider à voir ces images-là. Oui. Parce que non, mais je crois que c'est des termes que si vous avez fait votre enfance ici au Bénin, vous connaissez lui à côté. En tout cas. Vous connaissez le docor. Mais qu'en est-il du Hati? Du Hati lui-même, tel qu'on l'a connu, avec le fil dressé en plastique. Dressé sur la tête, dressé comme sur ça. La tête, là. Si, vous savez, tout a évolué de nos jours. Ça, tout a évolué, la technologie a évolué, la science a évolué. Et aussi dans la coiffure, voilà, tout a évolué. Voilà, ça, c'est le à côté. Oui, à côté. Oui. De nos jours, le à côté se fait. Mm-hmm. Ça passe le même aux examens. Voilà. Oui, bien sûr, ça se fait. C'était ça, les faux lacs? Non. Ça, c'est les atines d'alors. Atines d'alors. Oui. Ça se fait comme ça. Mais modernisé de nos jours, vous voyez. Oui. Voilà, ça, c'est les anciens. Oui. Mais ça ne se fait plus aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se fait, mais de façon modernisée. Et ça, cette forme-là, c'est une forme artistique? Oui, ça, c'est une forme artistique. C'est fait avec les fils d'alors, mais mm-hmm. de nos jours, nous le faisons, mais avec beaucoup plus d'harmonie, mm-hmm. beaucoup plus de beauté. Mm. Et c'est une tresse qui est vraiment très jolie, qu'on peut même faire pour aller à de grandes cérémonies. Oui, c'est vrai. Ah oui? Agnès, c'est oui. vrai. Avant, je ne vous voyais pas faire un hati sur la tête pour venir, par exemple, présenter, mais aujourd'hui, ça se fait. D'accord. On voit des dames à des cérémonies pour leur mariage. Elles optent pour ça, par exemple. Bien sûr. Seulement qu'on ne l'appelle plus hati. C'est les faux locks de nos jours. Mmh. Oui, mais je pense que c'est aussi l'amour de plus en plus des jeunes personnes pour le naturel. Aujourd'hui, on dit on veut aller tous vers le nappi. Voilà. C'est une façon de conserver aussi ses cheveux naturels. Voilà, c'est une façon de conserver ses cheveux naturels. On a compris que de nos jours, avec les cheveux naturels, nous pouvons quand même faire tout ce qu'on faisait avec les cheveux défrisés. Mmh. Et ça ne nous empêche ça ne nous empêche pas de faire les D'accord. cheveux de nous. Maintenant, parlons de cette tresse-là, Fugès et Rodrigue. Mm. Notre réalo, il est à la pointe. Hein, au niveau c'est pas ça, ils appellent les Fulani braids. Non, c'est les Fulani, c'est les tresses peules. C'est les tresses peules, ce n'est oui, pas ça. Oui. Alors ça s'appelle comment? C'est aussi là, tendance. C'est les bouts pointus. Les bouts pointus. C'est les bouts pointus avec de jolis modèles derrière. Mm-hmm. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui fait perdre les cheveux, là? Beaucoup se plaignent des bouts pointus. Oui, bien sûr, beaucoup se plaignent des bouts pointus. Ils se plaignent parce que, vous savez, il y a, je crois, 5-7 ans, quand on faisait les bouts pointus, c'était croisé devant. Mm-hmm. Mais de nos jours, on a compris que ça arrache les cheveux devant. Donc, on commence d'abord avec les cheveux de la personne, puis après, on complète les mèches à chaque fois jusqu'en bas. C'est comme ça se fait de nos jours, au point où ça n'arrache plus les cheveux devant. Vous aurez remarqué que de nos jours, on essaie de tirer quand même les cheveux devant mm-hmm. pour éviter que les cheveux qui sont beaucoup fins, c'est-à-dire beaucoup fins fin, devant, oui. soient tirés et qu'on commence réellement par tresser à partir des cheveux qui sont un peu durs. D'accord. Alors là, avant d'aller chez la coiffeuse, il faut tenir compte du type de cheveux qu'on a. Oui. Si on a les cheveux défrisés, est-ce que je peux me permettre toutes les tresses africaines tendances actuellement? Normalement, quand tu viens chez la coiffeuse, c'est à elle de te dire, non, madame, ce que tu veux faire, tu ne pourras pas parce que tes cheveux devant sont un peu trop fins. Et là, je te propose de faire ceci et de faire cela. Maintenant, si tu as des cheveux crépus, je pense que tu peux tout faire avec. Mm-hmm. Si c'est les cheveux défrisés, là, il faudrait qu'on essaie d'étudier tes cheveux devant mm-hmm. pour voir si ça peut faire les bouts pointus ou si on doit beaucoup les tirer ou si on ne doit pas les faire fins, mais les faire un peu plus moyens. Ou gros. Comment porter bien ces cheveux-là? Parce qu'on constate que parfois, lorsqu'on fait les tresses, ça fait 2 semaines et puis on constate qu'il y a des pellicules. Même avant 2 semaines, hein, en 1 semaine, parfois, les petits cheveux, là, ça sort. Ça sort. Oui, normalement, quand la cliente vient vers toi, tu étudies ses cheveux comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu remarques que c'est des cheveux qui ont assez de pellicules, tu dis, madame, faites le traitement des cheveux et après, on fera la tresse. Donc, tu lui fais d'abord le traitement des cheveux. Maintenant, tu lui fais sa tresse. Au bout d'une semaine, elle revient te voir, ou de 2 semaines, elle revient te voir. Tu consultes, tu essaies d'étudier, tu vois s'il y a encore des pellicules dedans. Et s'il y a des pellicules dedans, je pense que tu peux déjà lui faire le lavage. Bien qu'elle ait des tresses sur la tête, tu lui laves la tête, tu prends un peu
il y a des huiles de traitement de cheveux que tu peux prendre pour essuyer dans les intervalles, histoire de lui permettre de garder plus longtemps ses cheveux. D'accord. Mais aujourd'hui, avec les tresses africaines, on peut faire combien de temps comme ça? On peut garder une tresse africaine sur la tête pendant combien de temps environ? Il y en a qui gardent des tresses quand je prends les, par exemple, les tresses que vous avez, il y en a qui gardent pour un mois. Mm-hmm. Mais quand c'est ceux-là qui font les locks, c'est-à-dire les faux dreads, les faux dreads ou les dreads, il y en a qui gardent même 6 mois. D'accord. 6 mois. Oui. Mais au fur et à mesure, comment ils font avec les repousses justement? Parce que les cheveux sont... Ils viennent et on resserre. Surtout quand c'est les dreads, on resserre. Quand c'est les dreads que la personne fait, au bout d'un mois ou de 2 mois, c'est normal qu'il y ait des repousses, c'est normal que ça pousse en bas. Donc, cette personne vient nous voir, on resserre, on lave, on met au propre et tout ça, et on resserre, ça devient comme avant. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'évolution aujourd'hui, parce que les tresses, aujourd'hui, il ne suffit pas juste de porter les tresses, mais on essaie de décorer. Il y a plusieurs accessoires aujourd'hui, il y a les fils, il y a les coris, comme ce que moi j'ai sur la tête, par exemple. Ça a évolué. Oui, ça a vraiment évolué. Il y a les cordons que nous prenons pour décorer. Il y a les coris. Bon, ce ne sont pas les coris. Non, mais les coris existaient depuis. Est-ce que les coris sont récents? Je me rappelle très bien, ma grand-mère avant, elle me disait qu'elle mettait les coris dans les cheveux. Les coris existaient. Mais là, ce dont vous parlez, c'était les vrais coris. Mais actuellement, il y a des coris de coiffure qui sont genre en plastique façon, quoi. Mais qui sont tellement jolis. Qu'on dirait que c'est les vrais coris. Comme sur la tête, il y a les petits fers là, il y a de petites décorations qu'on essaie quand même de. Mais les élastiques, je me rappelle qu'on était enfants, nos mamans, c'était les élastiques. On ne les utilise plus, les élastiques. Les élastiques, c'est pour les enfants. Et c'est pour pouvoir retenir les pelles au bout des cheveux. Mais je pense que dans nos écoles de nos jours, l'école ne permet plus les pelles. Parce que les enfants le prennent, ils le mettent dans le nez et tout ça. Et je crois que ça cause beaucoup de problèmes aux enseignants. Donc, ils refusent. Par rapport à ça, on n'utilise plus les pelles élastiques dans la cheveux pour les enfants. D'accord. Donc, et l'autre possibilité qu'on a lorsqu'on fait les tresses, hein, on peut adopter tel style aujourd'hui et demain, renouer, la échanger coiffe. Comme voilà. Mais tout le monde s'en sort pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je suppose qu'il faut, il faut savoir le faire. Il faut apprendre surtout. Oui, justement, parce que ça, par exemple, c'est une coiffe artistique. Ah oui. Pour ça, moi, il faut forcément que j'aille voir une experte comme vous. Hein. Oui, quand vous faites les tresses de nos jours, vous avez la possibilité de changer beaucoup de modèles pour ça. Surtout, ça dépend de l'occasion à laquelle vous voulez participer. Si vous faites les tresses sur la tête, que vous allez à un mariage, vous pouvez tout prendre en haut, le tourner en pomme ou genre en modèle fille de Beyoncé ou quoi là. Ah, d'accord. Donc, il y a des modes avec les stars. Oui, on se rend compte que c'est plutôt ces stars-là qui donnent la tendance. On les suit beaucoup plus maintenant pour les tresses africaines. Il y a même sur le réseau social le Twitter, il y a le Black Hair Challenge et les dames, elles mettent leurs cheveux sur la toile. Voilà, j'ai fait telle coiffure aujourd'hui, demain, c'est ça. Bien c'est sûr. La tendance. Oui.